Félix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, and following with other heads of state. But in the meantime, may we hear from the chairperson of the commission, in this case, the deputy chairperson of the African Union Commission. Thank you, Your Excellency, for this opportunity to speak on behalf of the chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, President Paul Kagame, chairperson of the Heads of State and Government Orientation Committee, if you allow, I'll continue in French. Sure, go ahead. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Président du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, Excellence, Messieurs les chefs d'État membres du comité, Monsieur le Docteur Ibrahim Mayaki, Chief Executive Officer of NEPAD, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter joyeux anniversaire en cette journée de l'Afrique que nous observons dans un contexte particulier. L'humanité a atteint aujourd'hui un tel niveau de développement, aussi bien sur le plan économique que social, grâce aux révolutions industrielles et technologiques successives qui ont mis à notre portée les ressources nécessaires à notre bien-être. Et pourtant, la pandémie de COVID-19 nous a fait douter de ce que nous pensions être des acquis du développement. Je voudrais ici dire ma peine face à cette pandémie qui vient s'ajouter aux défis déjà existants à la paix et au développement que l'Afrique s'efforce à construire et à rendre durable. Nous avons tous, de près ou de loin, été touchés par les effets néfastes de cette pandémie et je tiens à vous assurer, Excellence, et à travers vous, vos concitoyens, de la solidarité de l'Union africaine en ces moments difficiles. Excellence, Mesdames, Messieurs, la tenue de votre réunion aujourd'hui est opportune et hautement symbolique. Elle s'inscrit dans la vision des pères fondateurs de l'OUA, notamment l'unité, la liberté, la paix, le développement et l'indépendance économique et culturelle de notre continent, si bien exprimée dans l'agenda 2063. Je vous félicite donc, Président, Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, pour ce choix judicieux. Au cours de cette réunion, vous aurez à examiner deux rapports importants qui, en réalité, sont complémentaires. Le rapport annuel de l'OUDA NEPAD et le rapport de suivi de la réponse continentale au COVID-19. Les succès enregistrés grâce au rôle déterminant qu'a joué l'Agence de développement NEPAD dans la mobilisation continentale pour garantir à l'Afrique l'accès aux outils nécessaires, aux traitements et vaccins contre la COVID-19 doit nous encourager à fournir un surcroît d'efforts afin de nous assurer qu'elle puisse pleinement jouer son rôle dans tous les domaines qui relèvent de son mandat. Et le rapport annuel qui fait état des réalisations considérables aussi bien dans le domaine des infrastructures que celui de l'appui aux économies africaines
à travers les programmes structurants et innovants dont bénéficient les États, les entreprises et autres initiatives privées africaines, devrait achever de nous convaincre, s'il en était encore besoin, que le financement du budget de l'agence et la mobilisation des ressources en vue de la réalisation de son plan stratégique 2021-2023 doivent être une priorité pour l'Union. Le lancement du Fonds pour le développement, le projet d'appui à la création de 100 000 micro, petites et moyennes entreprises, la promotion du PIDA-PAP 2, les projets concourant à l'autosuffisance alimentaire et à la nutrition dans tous les États dans le cadre du CADEP méritent particulièrement d'être soutenus et leur mise en œuvre accélérée. Et la ZLECAF doit être soutenue de la même façon et la Oudanepad se doit de l'accompagner. Excellence, il va sans dire que l'effet immédiat et le plus flagrant de cette pandémie a été de mettre en évidence le déficit que connaît notre continent dans le domaine de la recherche, la production et la distribution des médicaments. Mais il est aussi vrai que la solidarité dont a fait montre l'Afrique dans les efforts visant à s'assurer qu'elle ne soit pas laissée pour compte dans la course au vaccin a porté ses fruits, grâce entre autres à l'initiative africaine AVAT et au leadership des envoyés spéciaux nommés par le président en exercice de l'Union au titre de l'année 2020, Son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, à qui je rends un hommage appuyé. Mais cette réponse, loin de nous conforter, doit éveiller notre sens de l'urgence, peut-être même notre instinct de survie, lorsqu'il s'agit d'assurer notre indépendance face aux défis sanitaires. Dans cette optique, l'entrée en vigueur du traité instituant l'Agence africaine du médicament est une impérieuse nécessité. Nous sommes à cet égard persuadés que ce comité d'orientation, qui maintenant compte 33 membres, saurait efficacement porter cette cause auprès des autres États membres de l'Union. Pour aider dans ce plaidoyer, j'ai nommé M. Michel Sidibé, envoyé spécial. Il est déjà sur le terrain et a fait un certain nombre de visites dans les capitales des États membres. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne saurais conclure mon propos sans présenter au secrétaire exécutif de l'Agence NEPAD, Son Excellence Dr Mayaki, mes très vives félicitations pour le travail exemplaire qu'il a accompli avec l'aide de son équipe au cours de son mandat qui bientôt s'achève. Je lui adresse également ma profonde gratitude pour la collaboration sans faille et fructueuse de l'agence avec la Commission tout au long de cette décennie. Le niveau élevé de professionnalisme et de réflexion stratégique auquel le Dr Mayaki a élevé l'agence par son leadership et son management, met au défi votre comité d'œuvrer pour lui assurer une succession à hauteur de la tâche, et cela dans le respect des procédures qui ont été établies. Je voudrais sur ces mots, Excellence, vous souhaitez de fructueuses délibérations. Je vous remercie de votre aimable attention. Fin de citation. Your Excellencies, I thank you for this opportunity to deliver the message from the chairperson of the African Union Commission. Thank you. Thank you very much, Dr. Monique Nsanzabaganwa,
Deputy Chairperson of the African Union Commission, on behalf of the Chairperson of the Commission. I now have the pleasure of inviting His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo and Chairperson of the African Union, to deliver his remarks. I hope the chairperson is there with us. Is the chairperson there? If the chairperson of the African Union is not there, then we I was told I follow the order. In this case, it's my turn to speak as we end this open session, and then we transition to closed session where the heads of state present will also make their remarks. Excellencies, heads of state and the government, Dr. Ibrahim Mayaki, CEO of the African Union Development Agency, LEPAD, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Dr. Monique Nsanzabaganwa, distinguished ladies and gentlemen, a very happy Africa Day to everyone. This is the first time that LEPAD, the heads of state and the Government Orientation Committee is convening virtually. This is symbolic of the difficult circumstances that the COVID-19 pandemic has imposed on our continent and the world at large. I nevertheless take special pleasure in welcoming you to this session. The Heads of State and the Government Orientation Committee is a unique forum for addressing Africa's key development challenges and resolutions and solutions. This 38th session of the Orientation Committee will reflect on pressing development questions, which became more acute with the COVID pandemic. I commend Dr. Mayaki and the dedicated staff of the agency for continuing this important work under such trying circumstances. In line with the institutional reform of the African Union, the NEPAD Planning and Coordination Agency was transformed into the African Union Development Agency, AUDA, NEPAD, in 2018. With a robust new mandate, governing structure, and rules of procedure, we must make sure that this enhanced agency strengthens delivery on our continent's key priority areas, and resources mobilization will remain a key factor for achieving our goals. The strength of our health systems and institutions have been tested over the past year.
At the last African Union summit in February 2021, I recommended that AUDA NEPAD be assigned the responsibility for providing technical support to member states and regions to increase domestic health financing, working together with our partners. This is a critical role for the agency in line with the African Leadership Meeting Declaration of February 2019. Similarly, we should seize the opportunity to establish the African Medicines Agency, AMA, this year by signing and ratifying this important treaty. A strong regulatory body is absolutely central to Africa's ambitions to produce safe and effective pharmaceuticals and vaccines for our people. Our continent remains exposed to many socio-economic challenges brought about by the COVID pandemic. Successfully navigating these times will require innovative solutions and, above all, increased regional cooperation. As African Union Development Agency, NEPAD, we must be ready to do our part and make a difference. I thank you, Your Excellencies, and distinguished leaders. I'll now have the pleasure and honor to invite the heads of state here present. I should start with His Excellency Macky Sall, the President of Senegal. My brother. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Welcome. Paul Kagame. Cher frère, je voudrais peut-être vous suggérer très humblement de donner la parole au secrétaire Monsieur Ibrahim Mayaki pour son rapport avant que nous ne puissions nous prononcer là-dessus, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président. Yes, I think so. I think that is the right order, President. Thank you for bringing it up. I don't know how I missed that. I think Dr. Mayaki, you are so important. I thought you would come last, but now I'm reminded you come first. So please, most welcome. Is Dr. Mayaki available? I can see you are on mute, Dr. Mayaki. Still on mute. Unmute, please. Dr. Mayaki, I see you are still on mute. Mute. He's on mute. All right, now you come. Okay. Okay, thank you. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, President
Paul Kagame, chair of the Nepal Heads of States and Government Orientation Committee, Your Excellency's Heads of States. It is a singular honor as Chief Executive of the African Union Development Agency, NEPAD, to present our annual report, which was elaborated by our different teams in different domains. I will not be long. I will stick within the 15 minutes. And this presentation has two main parts. One has to do with the activities that we led during the year 2020. And the second part will have to do with the assignment that you gave us regarding the African Medicine Agency and how we see the way forward. And on that specific aspect, we have already started working with the African Union Commission and with a special envoy, Michel Sidibe. So I will go to a first slide, which is a slide of contextualization or of where we are coming from. After the institutional reform,